Coucou la team! Comment allez-vous aujourd'hui? Parce que je me prends dans la big shot, ça va pas le faire. Alors, je vous avais dit que je voulais vous faire une démonstration des capsules altérées. Donc, je vais essayer de vous faire ça. J'espère que ça va marcher du premier coup parce que j'ai rien préparé comme d'habitude. Donc, voilà. Alors, là, je suis en train de chercher ce qu'il me faut. J'ai pratiquement tout préparé, mais il manque ma pince, bien sûr. Et dans ce bazar, voilà. Alors, pour les capsules altérées, il vous faut quoi? Donc déjà, des capsules. Donc chez nous, on ne boit pas de bière ni rien. Donc du coup, ça c'est une fille sur Facebook. D'ailleurs, il faut que je lui envoie quelque chose en remerciement. Qui avait proposé d'envoyer, en fait, vous voyez, des capsules. Voilà. Donc j'ai des capsules, mais sinon... Alors, j'ai entendu dire que... Pour faire ces capsules altérées, valait mieux en fait les capsules, vous savez, qui se débouchonnent, pas celles qui se dévissent comme les Cronenbourg et tout ça, parce que c'était plus simple. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire, il vous faut une petite pince comme ça, et il va falloir en fait plier. Alors, je vais essayer de me mettre debout, vous voyez bien, en fait, tout le tour de votre capsule. Il faut que vous écartiez un petit peu en fait. Voilà. Tout le tour. Avec votre petite pince. Alors, si vous n'avez pas de big shot, j'ai entendu dire aussi qu'on pouvait le faire au marteau. Franchement, j'ai jamais essayé, je tenterai pas. Parce que déjà qu'avec la big shot. Voilà. Donc. Donc vous écartez en fait, voilà, votre capsule. Vous voyez, à la base, elle est comme ça. Voilà, et là, vous voyez que ça fait un peu plus plat sur les côtés. Donc on va s'en faire deux. Donc là, j'ai du Coca-Cola, donc je vais prendre... J'ai pris Coca parce que comme ça, vu qu'on va faire des capsules Noël, elles seront rouges à l'arrière. Du coup, avec Coca, ce sera mieux. Donc du coup, j'ai pas pris... Après, je pense que sinon, si vous avez un bar dans votre village, dans votre ville, ou quelqu'un que vous connaissez, enfin voilà, je sais pas, moi je vais tenter de demander en fait à. J'ai une de mes cousines qui tient un bar, et voir si elle peut pas me garder en fait les capsules qu'elle utilise dans son bar. Ça serait bien. Et si j'arrive à avoir ça, eh bien, écoutez, si j'arrive à vous avoir des capsules, je pourrais vous en faire passer. Il faudrait jouer avec elle si elle peut pas me récupérer. Voilà, on a fait nos deux capsules, vous voyez qu'ils sont un petit peu écartés sur les côtés. J'espère que je vais les réussir du premier coup parce que ça foire. On va prendre notre big shot et par rapport à la big shot, on va se mettre à ce niveau-là, en fait au niveau 1. Vous voyez, vous enlevez la première plaque et on va venir se glisser en fait. Voilà, donc c'est pas pratique, j'ai pas beaucoup de place donc avec la vidéo. Et en plus, je suis verte, donc tout va bien. On va venir... Donc, poser notre première plaque. On va venir prendre nos capsules qu'on va poser dans ce sens-là. Voilà. Donc, et on va venir poser notre deuxième plaque dessus, comme ceci. Et on va venir faire tourner notre big shot. Voilà. Alors, franchement, c'est bête comme chou. Hein. Vous voyez, il y en a une qui est un peu foirée. Et voilà, tout simplement, voilà, ça nous a écrasé les capsules, à part celle-là que j'ai dû mal plier. Mais après, on jongle avec la petite pince, et voilà, ça va très bien. Et après aussi, je vous dis, suivant la marque des capsules, ça fait plus ou moins, voilà. Et voilà, nos capsules sont pliées, comme ceci. Alors, j'en avais sorti une troisième, on va la faire. Donc, c'est pas la même marque, c'est pas Coca. Donc, c'est pareil, vous prenez de votre petite pince. Alors, je me mets debout exprès pour que vous voyez mieux à la caméra. Mais le problème, c'est que, comme d'hab, je suis verte. Et on est le matin, alors, fait chier. Vraiment, cette caméra, elle me gonfle.
Donc on vient plier le tour. Je sais pas si je suis claire dans mes explications, comme d'habitude. Donc vous venez bien en fait plier votre capsule. Vous voyez, vous l'ouvrez un petit peu en fait comme ça. Vous venez la poser sur la Big Shot. Vous remettez la deuxième plaque. On fait notre sandwich. Et voilà, on vient tout simplement rouler, bouler, et voilà, notre capsule est faite. Donc franchement, c'est bête comme chou. Moi, au début, quand j'ai essayé, j'ai dit, oula, je vais pas y arriver et tout. Et vous voyez, du premier coup, franchement, du premier coup, je suis arrivée. Alors si j'y arrive, comme je dis toujours, si moi j'y arrive, franchement, tout le monde peut y arriver. Vraiment, il n'y a pas de souci. Alors, je range mon petit bazar. Voilà, comme ça, je vais me rasseoir avec vous. Je vais essayer de bien caler la caméra. Donc maintenant le but, c'est de décorer. Donc ça là, un petit peu foiré. Hein. Mais vous voyez, regardez, les deux coca sont foirées. Et l'autre, elle s'est faite nickel. Donc suivant les marques en fait de capsules, ça ne fonctionne pas pareil. Donc voilà. Bon, j'ai pas eu l'occasion encore, vous voyez, de la déballer. Donc ça va être l'occasion de la déballer pour faire la décoration en fait des capsules avec vous. Voilà, alors, donc là je vais faire les capsules bien sûr sur le thème de Noël. Donc vous savez qu'il me reste des chutes, comme je vous dis, les chutes ne les jetez pas, gardez-les, ça sert toujours, voilà, pour faire, enfin voilà, comme là, genre pour faire les capsules. Alors, voilà, c'est juste magnifique ce... Alors, soit vous enlevez, vous voyez, vous avez une petite partie plastique comme ça. Alors, soit vous la faites sauter pour pouvoir coller en fait vos. Ça, elle est vraiment pas belle. Soit vous enlevez le plastique pour coller votre. Alors, mais par contre, moi, la dernière fois, j'avais décollé le plastique. Mais alors, il y en a qui se décollent super bien et il y en a d'autres qui sont super galères. Donc, vous voyez, soit le plastique là autour qu'il y avait. Donc là, vous le faites sauter ou soit vous le gardez. Ça c'est au choix, c'est comme vous voulez. Voilà. Donc là, je vais vous montrer une décoration qu'on peut faire avec un papier. Bon, je vais prendre une jolie parce que celle-là est vraiment pas belle. Qu'on peut faire avec justement voilà un papier comme ça. Et après, je vais vous montrer une décoration qu'on peut faire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher mon pistolet à colle. En même temps, toujours vidéo pas préparée hein, chez Betty, hein. Désolée. Et après, je vais vous montrer avec un embellissement qu'on peut faire aussi, voilà, soit avec des fleurs, avec ce que l'on veut. Après, on fait la capsule. Vous savez, des fleurs, j'avais acheté l'autre fois. Tout à l'heure, je me posais la question si on pouvait pas en faire une avec justement une fleur. Donc là, j'essaye d'enlever le plastique. Alors, comme je vous dis, il y en a certains plastiques qui s'enlèvent bien. Et il y en a d'autres où, voilà, ça s'enlève pas top bien. Voilà. Donc là, j'ai enlevé le plastique aussi. Du coup, mes achats de fleurs, je ne sais pas ce que j'en ai fait encore. Alors là, par contre, moi j'ai testé l'autre fois. Donc si vous enlevez plastique, votre colle ne tiendra pas. Il faut coller avec de la colle, du pistolet à colle. Parce que sur la ferraille, enfin moi sur la ferraille, ça n'a pas collé la dernière fois. Donc vous venez coller avec pistolet à colle. Vous voyez, le plastique, soit vous l'enlevez ou soit vous le laissez si vous trouvez ça trop galère. Parce que voilà, c'est un peu galère, mais le problème c'est qu'après ça vous fait un relief. Voilà. Alors est-ce qu'il est chaud? Donc je vais venir poser donc de la colle. Si il est chaud. Donc je mets un tout petit filet parce que vu que c'est pour. Le papier et je vais venir poser mon petit rond de papier dessus.
Et stopper faux, elle est juste magique. Ça me fait des ronds tout droit. Je revis, si vous saviez. Voilà. Donc là, bah déjà, après, vous pouvez vous arrêter là, faire une capsule altérée, vous voyez, comme ceci. Ou alors, après, on va venir, moi, je pense, rajouter quelque chose dessus. On va pas laisser comme ça va faire fade. Alors, on va venir rajouter on va venir rajouter quoi? Quelque chose de pas trop gros qui fasse Noël au passage. Vous voyez, après on peut venir coller en fait quelque chose comme ça dessus pour faire une capsule altérée en fait de Noël. Vous voyez, comme ça. Ou alors après on peut juste coller des petits strass. Je sais qu'il y a d'autres choses. Voilà, ça je vais chercher. Mais en fait, ouais, voilà, c'est ça que je voulais mettre. Mais je pense que ça va être trop gros aussi. Je voulais mettre un flocon de neige. Mais en fait, il est trop gros. Donc, voilà, je vais mettre ça, je pense, dessus ma capsule altérée. Je sais pas ce que vous en pensez. Ça donnera ça en fait. Donc là, c'est pareil. On vient prendre notre pistolet à colle. Et on vient donc le coller sur notre papier. Et voilà. Et de une, de fait. Bon, vraiment, c'est vraiment très rapide. Après, en fait, le plus long, je vais dire, c'est de trouver comment faire la décoration. Enfin, qu'est-ce qu'on peut mettre sur le. Eh bien, en déco dessus. Mais vous voyez, ceux de Coca, ils sont moins nets quand même. Ils sont vraiment nets, quoi. Là, je vais venir prendre pareil, une chute de papier. Qu'est-ce que je vais prendre pour changer? Qu'il soit assez grande aussi. Ouais, j'ai lui. Lui ou en blanc comme ça. On va le faire en blanc. Tac. Ah, je suis fan. Alors là, je suis fan de chez fan. Là, on va venir le coller sur le plastique, celui-là. Directement, comme ça nous embêtera moins. Et comme ça, je vais vous montrer qu'on peut garder le plastique ou l'enlever. Il n'y a aucun souci. Donc, je vous montre quand même avec celle-là qui est un petit peu pas belle parce que bon, c'est juste pour vous montrer en fait. Donc après, voilà, comme je vous dis, on peut la laisser directement comme ça et rajouter des petits strass ou des petites choses. En fait, je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà, des petites choses dessus sur les capsules. Après, vous mettez ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci. Là, on va venir se rajouter un petit. Un petit cœur. Se rajouter un petit cœur, je vais vous montrer. Donc toujours avec la colle chaude hein, parce que sinon, enfin c'est ce qui tient le mieux de toute façon hein, tout ce qui est plastique et tout, vous savez que voilà hein, la colle c'est pour le papier vraiment, mais après quand on veut faire des choses comme ça, investissez dans un pistolet à colle, c'est vraiment mieux. Voilà, voyez, j'ai mis un petit cœur en fait, je sais pas si vous voyez bien, en plein milieu. Voilà, de mon papier. Et donc ça fait une capsule comme ça. Et puis celle d'avant qu'on a fait comme ça, qui fait thème de Noël et en relief. Après, c'est toujours pareil. On peut prendre, moi l'autre fois, j'avais pris un. Je ne sais pas si je vais l'avoir là, parce que je ne vais pas le chercher pendant 3 jours aussi. Après, vous pouvez aussi décoller les choses qui sont là-dessus. Vous savez, sur les bras, comme ça, vous le décollez. Et vous venez le coller aussi dessus pour faire un petit effet bombé sur votre capsule. Alors ça m'agace parce que je suis verte. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça m'agace, ça m'agace.
Après, on a aussi des genres d'embellissement comme ça. Vous voyez? Pourquoi je suis verte? Pareil, si vous trouvez la forme qu'il vous faut, vous pouvez venir coller dessus. Mais c'est pas ça que je cherche. Je sais pas si vous allez trouver, bien sûr. Après, l'autre fois, j'en avais fait un aussi, une avec une fleur comme ça. J'avais mis un fond de papier et j'étais venue coller une fleur comme ça dessus. Après, vous savez, il y a des genres de petits diamants à action. Après, il y a ça aussi. Vous savez, les petites choses comme ça là. Je suis sûre que ça fait la taille en plus. Là, elle m'embête parce que elle est un peu foirée. J'ai mis ma pince. Avez-vous vu ma pince, la team? J'ai perdu ma pince. Je l'avais il y a 2 secondes. Là, ça me l'a un peu écrasé, de chez écrasé. Là. Je peux pas remédier à ça. Non. Bon, c'est pas grave. On va faire comme ça quand même pour le tuto. Vous voyez, là, on va venir coller en fait ça dessus la capsule pour vous montrer en fait tout ce qu'on peut faire avec. Mais on va pas le laisser comme ça, on va mettre un papier dessous pour que ça ressorte quand même assez mieux au niveau de, parce que vu que là ça va faire ton sur ton, on va venir y mettre un papier. Mais on peut toujours faire le blanc parce que le blanc c'est ce qui va ressortir le mieux. Si j'ai assez de papier blanc. En blanc, ou alors on va mettre celui-là aussi. Non, mettre celui-là. S'il est assez gros. Comme ça fera carrément. Voilà. Finalement, j'ai pris celui-là. Vous voyez? Donc, je vais venir coller toujours avec mon pistolet à colle. Donc là, c'est pareil. Je n'ai pas enlevé le plastique. Après, c'est au choix. C'est pour vous montrer qu'on peut l'enlever ou le laisser. Donc, on vient coller notre papier. Voilà, il est collé. Et là, on va venir coller donc notre petit embellissement comme ceci dessus. Toujours avec notre pistolet à colle. On va venir se centrer au milieu de notre capsule. Voilà. Donc en fait, là, elle n'est pas super belle, mais c'est juste pour vous montrer qu'on peut. Voilà, qu'on peut faire une capsule avec autre chose que du papier, vous voyez. Donc là, on a mis un papier puis un petit strass. Voilà. Et là, on a mis un papier avec. Ou alors après, comme je vous dis, vous pouvez mettre tout simplement. Voilà, juste un papier. Donc voici ben, le tuto vite fait des capsules altérées. Donc comme vous pouvez voir la marque celle-ci là et le Coca. Coca, c'est vraiment pas top en fait. Suivant les marques, les capsules, vous aurez plus ou moins de mal à les plier. Et j'ai entendu dire aussi que les capsules qui se dévissent sont voilà, plus dures à travailler aussi. Donc voilà. Donc celle-là, c'est vrai qu'elle n'est pas jolie, jolie, mais c'était juste pour vous montrer en fait ce qu'on pouvait faire aussi quand même avec. Voilà la team, j'ai fait mon petit tuto sur les capsules altérées. Bah, écoutez, j'espère que cette petite vidéo minute vous aura plu et que bah, ça vous fera comprendre en fait comment on fait les capsules altérées. Alors, attendez, je débranche mon pistolet à colle. Voilà. Et qu'en fait, c'est tout simple, hein, c'est tout bête. Tout le monde peut se lancer et essayer si vous avez une big shot. Je pense qu'avec la décoratrice de Toga, on peut le faire aussi. Donc, testez, voilà, et puis c'est tout. Donc, sur ce, je vous dis bonne journée, la team. Éclatez-vous, scrapez bien, et à plus tard. Salut, salut, ciao!